Allez, il est 7h30 passé, on va démarrer ce Kaboo Direct spécial Let's Play Luigi 2, Luigi Mansion 2 HD. C'est parti. Ohayo les amis, ohayo et bienvenue sur ce Kaboo Direct, nouvel épisode. Nous sommes le 3 juillet déjà le mois de juillet 2024, il est 7h31. Et on va continuer le let's play de Luigi Mansion 2 HD sur Nintendo Switch qui est sorti la semaine dernière. Un peu plus d'une semaine même je dirais. Pour ceux qui regardent sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Et pour toujours ceux qui suivent sur YouTube, on est sur un let's play qui n'est pas no comment cette fois-ci. Voilà, on est parti et on repart directement de la dernière run. On est au tout début du jeu. J'espère que vous allez bien, que vous allez en douceur. Alors, la ligne noire a été brisée, Luigi. Nous devons retrouver les fragments et ramener l'ordre dans la vallée des ombres. Et vite. Manoir du désespoir. Mais je pense que c'est là qu'on devait aller. Hein. Je ne sais plus. Oh là là, c'est dur. Ça doit être ça. Hein. Et de la lune noire, on est d'accord. Ah voilà, et on est en A4. Non, on doit être après ça, je pense. Voilà. A5, poussière, étoile. C'est bon, merde, on est revenu dans le game. J'ai pas joué depuis vendredi, je crois. Un truc comme ça. Hein. Et c'est Burnett, Kabuki, chasseur de fantômes, tout à fait, avec l'aspirateur bien sûr. Nous ne citerons pas de marque, non, non, non. Juste que c'est le modèle Ectoblast 5000. Comment tu vas, Seb? Les streams se passent bien, tout va bien? La petite famille, tout ça? Ah oui, alors c'est vrai qu'avec X, maintenant, on a le révélateur, on va dire. On a toujours l'aspirateur et l'inversé. Ok. Et on peut charger pour flasher. Ok. Alors si je fais un coup de révélateur ici, là. C'est bon ça. Alors pour ceux qui savent pas, on peut monter l'aspirateur au gyroscope. Hein. Bah écoute, ça va, tranquille, là. Je suis à une semaine de mes vacances. Une semaine tout pile. Je sais pas si je vais voir à droite à gauche. Je pense qu'il n'y a rien de plus. Bon, maintenant on a le révélateur, c'est vrai. Et on peut courir, voilà, c'est bon. On est bon. Thune, je dis pas non. Bon allez, on va aller dans le vif du sujet direct. Ohayo mon cher, j'ai pas vu si ça a marché. Tu peux refaire un petit point d'exclamation que je regarde, s'il te plaît. Normalement ça va sur la cam. Ah ouais, nickel. Merci. Ouais, ouais, nickel. Dans la petite pastille. Comment il va le père Eli? Bien passé la fin du stream hier? Il faut que j'automatise le SO comme t'as fait là.
Maintenant que l'élève dépasse le maître, il faut que tu me donnes des conseils, Aurélie. Donc là, on est en mode... Il y a des araignées dans le manoir. Ah, je n'avais pas vu celle-là. Il a pas voulu avec la série, d'accord. En même temps, j'ai pas le son quand vous mettez les alertes, vu que je suis sur Switch. Bah, écoute, ça va bien. J'ai une petite rechute de maladie, mais ça va. C'est surtout au réveil. Là, ça a l'air d'aller. J'espère que ça va aller, parce que je fais une semaine de mes vacances, cher ami. Les vacances du Kabuki, ça va être le retour. Ceux qui ont connu la chanson, j'ai toujours pas trouvé le moyen d'aller là-dedans. Hein. Et il y a une gemme là-dedans, donc il va falloir que... C'est peut-être maintenant. Ouais, puis ça fait plaisir, mercredi on reprend les streams quoi. Qu'est-ce que c'est que ça, un petit caillou? Allez, je sens qu'il faut viser là. Non, j'ai trop cru. Bon, je me mets là peut-être. Non plus. Ce qui se passe ici. J'ai toujours un élève. Ok. Je me considère toujours comme le sensei alors. On va se donner des conseils entre streamers quoi. Ça va être cool. Exclamation ici. Oui, c'est vrai qu'il y a ce truc là là-haut. Bouché, on a cette partie là. Après on va pouvoir monter de l'autre côté. Ici rien n'a changé. Encore beaucoup de choses à apprendre et j'en découvre encore. Yes. T'as rempli le formulaire que je t'ai envoyé alors? Pour l'instant j'ai pas eu de retour de mon côté, donc si t'en as pas c'est normal. Ok, bah on verra. Si on te pose des questions, tu m'en parles et on verra ce qu'on répond, ok? Mais bon, ça devrait passer crème. Il me semblait qu'on pouvait monter là. Nous sommes face à un mystère, les amis. Ah, il y a une petite pièce là. Ho-ho!
Ah, il fallait tout cleaner, les toiles d'araignée, d'accord. Ah ouais, on est en power wash, les amis. Ils n'ont rien inventé. Salut Bibi, comment il va? Après, sur Twitch, j'applique le principe de mon taf. Ah, donc tu fais ça sérieusement, c'est ça le plus important. On est toujours carré. Alors, j'ai mon petit caillou, donc ça, je peux pas l'aspirer, j'imagine. Je suis coin chèche. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il veut pas me le recracher là. Voilà. Ah oui, mais oui, suis-je bête? Ou je le pousse peut-être? Un petit bowling? Non. Calme-toi le caillou. Si on met un petit coup de révélateur, ça ne servira à rien. Voilà. Alors, je peux plus jouer à FHK, donc obligé de retrouver la boîte du jeu. Pourquoi? Ah, il te demande quelque chose par rapport à ce qu'il y a sur la boîte? Pour pouvoir continuer à jouer, c'est ça? Qu'est-ce que je fais de mon caillou, moi? Je peux même pas l'emmener dans une autre pièce. Est-ce que je peux casser ici, là? Non. Il y a moyen de le pousser loin quand même. Ah, il est plus sur le Game Pass. À automatiser et en faire le moins possible. Ah bah bravo. Pour en profiter, d'accord, c'est bien. Tu modernises le truc, quoi. C'est vrai que si tu dois faire le SO à la main à chaque fois, par exemple, comme je fais, ça peut un peu couper l'expérience. J'avoue que là, les amis, je sais pas trop quoi faire. J'ai mon caillou. J'ai ma toile d'araignée qui m'empêche de passer. Faut pas le cracher bien loin, mon caillou. Ah, mais j'ai pas... Oui, est-ce que je suis allé là, d'ailleurs? Je suis peut-être pas allé là, en fait, tout simplement. Voilà. Et là, c'est toujours pareil, ici. De toute façon, ça faisait pas grand chose. Un peu de thune, ça fait pas de mal. Ici, y a rien là. De toute façon, ici, y a pas de toile d'araignée. Disons qu'il y a eu un seul automatisé, celui des raids, mais il faut que je le vois pour automatiser aussi pour les poteaux streamers. Ouais, comme avait fait Gunther là, avec Fireball, c'était sympa. Hein. Le truc c'est que j'ai regardé des tutos en anglais, j'ai rien capté. J'ai essayé, mais non, j'ai essayé plusieurs fois même. Alors si je pousse mon caillou avec le tapis, est-ce que ça peut faire catapulte? Mettons-nous dans la tête de Nintendo, qu'est-ce qu'ils ont voulu nous dire avec ce caillou? Non. On va aller voir un peu de l'autre côté. Hein. Mais non, il y a un truc là, ouais, il faut bien nettoyer.
Alors on va repasser par en haut, il y a aussi quelque chose à faire. Et après on verra. Je pense que c'est pas bien compliqué, il faut que je potasse le truc. Ok, bah quand tu... après tu me fais la tra des fers. Et puis voilà, comme ça je peux le faire. Il y a du nettoyage à droite à gauche là. Ah. Ah, j'ai loupé, enfoiré. Oula, oula, ça prend feu là. Magnifique. Ça là-haut. Oui, on a un caillou là. Ah. Trou au plafond. Ok. Ici, il n'y aurait pas de nettoyage à faire. Vous avez vu que c'est la vraie heure là-haut? Ça, ça me fait triper. C'est l'heure véritable. On l'avait déjà eu ce truc-là. Qui est coincé là-haut. Si je souffle là-dessus, est-ce que ça la redresse? Et à quoi ça pourrait servir? Ah, je l'ai éteinte, ok. Ah, il aurait peut-être fallu la faire brûler ici, là. Non, parce que je peux pas l'amener jusque-là. Si. Peut-être. Ah. Voilà. Ok, donc là j'ai toujours mon caillou. J'avoue que je sais pas quoi en faire. Alors j'ai vu que quand je l'aspire, je la tire comme ça, hop, après je peux pousser. On va essayer de mettre ça au centre. Non, ça veut pas. Quand on est trop près, il se passe rien. On peut pas la jeter. Sur une torche. Ah, par contre, attends. Regarde les bougies là, les chandeliers, ou je sais pas comment on peut appeler ça. Ça bouge. Ah, par contre. Alors. Il faut pas que je souffle dessus. J'ai un X là. Ouais, c'est pour le pot. Ah oui, faut que j'y mette le feu du coup. Je vois ce que tu veux dire. Bingo Lacho. Oh,
Ok, donc maintenant on sait ce qu'il faut faire quand on a un caillou. Donc je vais redescendre. Comment je suis venu d'ailleurs? Par là peut-être. Je vais redescendre et voir s'il y avait une torche en bas. Comme ça on fait les pièces dans l'ordre, tranquille. Ouais, il y a un petit chandelier là. Et ben on est bien. Hop là, c'est parti. La purification par le feu. Ah ouais, c'est du doom là. Viens des. Il y a comme ça aussi. Allez, on prend les pièces. Il va mettre le feu au manoir, le Luigi. Il en serait capable, hein. Ça, il faut l'aspirer tout simplement. Ok. Donc on a encore cette pièce à faire. Voilà. Caillou ou caillou. Ici, chaque fois qu'on est mis dans ce manoir, on ne pouvait pas aller là où, à cette porte là-haut. Maintenant, on va pouvoir, ça c'est cool. On fait de la thune. Ok. Vraiment pisse comme jeu pour le matin. Tu aimes ce jeu? Ouais, j'aime ce jeu, bijou. Ouais, je l'aime ce jeu. Je peux le dire comme ça. Toi, c'est toujours pas ta cam, vu que je sais que t'avais pas aimé Mario, Paper Mario. Quand je faisais du Paper Mario, ça t'agaçait. Est-ce que... c'est pareil pour Luigi? Il me semble que j'étais déjà venu là. Il faut cliner encore. Alors, là-haut, il y a de la toile d'araignée, mais ça fait un peu haut. Ici, je sais qu'on avait fait ça. Non, j'avais pas fait ça. Ah, il y a la petite toile ici. Non, ça va, je l'ai acheté. Ah, ouais. Et là, t'en es où? T'es plus loin que moi? T'as pas encore lancé? Comment ça se passe? Alors, on va passer par là. Pas encore lancé, d'accord. Ah, toujours la maladie FH4. Et de la thune là. Ah non, c'est le rouleau à pâtisserie. Et j'ai téléchargé Robin des Bois. Ah ouais? Celui qui est sorti il y a 2 ans là. Espèce de jeu d'infiltration? Ou je dis des conneries? Bon, ça on connaît. Ah, par contre ici.
ici c'est qui beau. Ah, on a ramassé 16 toits. Ah voilà, il est là. Lui. Où il est bouli? Faut que je fasse gaffe à mes cœurs parce que je fais le bourrin. Ah, il en reste un, non? Bon, c'est bon. Ah, tu l'as sur 3DS, c'est Luigi? Tu l'as fait, tu l'avais fait du coup, Seb, tu l'avais fini ou pas? Ah, il fallait tirer là-dessus, c'est vrai, je me rappelle. Du coup, ici, c'est clean, hein, on va descendre. Ouais, terminé. Et alors, t'en penses quoi du remake? Joli, hein? Bon, ici, pas de nettoyage spécifique à faire. Ah, voilà, un petit caillou. Et là, on a du feu. Ok. Tout s'explique. Après, on aurait pu l'aspirer. Hein. Et les feignants. Voilà, c'est surtout là en fait. Il est où mon caillou? Oh mince! Ah voilà. Excusez-moi. Alors, on refait un petit coup. Deux révélateurs, ça enflamme mon caillou. Clean. J'ai bien aimé, c'est toujours sympa, je le dis. Ouais, il y a toujours l'esprit bien Nintendo, quoi. Vraiment des jeux 100% esprit Nintendo. Allez, c'est bon. Ah, juste quand j'allais la voir, espèce d'enfoiré. C'est rien de moins. Un peu de cœur, ça fait pas de mal. Gotham Knights hier. Ah ouais, t'as kiffé. Bah, les jeux Batman, ils ont leur petite cote quand même. Hein. Où est-ce qu'il est cet enfoiré?
rien d'autre là-dedans. Ok. Alors, on nous dit quoi qu'il y a une salle ici à nettoyer. D'ailleurs, si on y accède par un autre endroit, ça y a un truc. Voilà, une petite porte. Alors, ok, donc ça, ça fait du feu, c'est un petit barbecue. Sûrement, ah oui, j'ai ce truc là, j'allais dire j'ai un caillou certainement, mais non, en fait j'ai ça. Ok. Là j'ai mon petit caillou. Ici, ah oui, mince. Oh, quand t'as le caillou, c'est la merde, hein, parce que tu peux plus faire le flash. Je vais m'habiller là. Le cœur qui va bien. Et qu'est-ce qu'on aurait dans cette pièce? Rien, j'ai l'impression. Ah oui, d'accord. On est revenu là. Ok, donc il faut nettoyer ici. Le barbecue à l'ancienne. À tous les jeux Batman, il y a Injustice aussi. Ouais, donc ok. Tu connais le bail des jeux Batman. Les Arkham, donc tu les as, évidemment, c'est les plus connus. Hop. C'est pas fini là en fait, hein. Je vois encore un point d'exclamation. Il y a une toile que j'ai pas vue, je pense. Là-haut, peut-être, ouais. Avec un petit lingot. Ok, donc ça, c'est fait. Heureusement qu'on a le petit plan bien plat, bien pratique en haut, là. Donc ici, il y a du taf encore. Il y a une toile qui m'aurait échappé. Qu'est-ce qu'on a ici? N'empêche qu'ici, il y a toujours le point d'exclamation. Je vois rien, c'est bizarre, alors à moins que le haut soit compté. Sur le pot, ah bon? Attends, j'ai pas vu ça. Heureusement qu'on a l'œil aiguisé de Mr. Rayleigh. Rayleigh pour les intimes. T'as pas capté hier, je t'ai dit merci Rayleigh dans ton stream. Sur le pot, ah ouais, oh là là là. I do it. Ah, ça Rayleigh. Non, t'as pas fait gaffe. J'ai vu que t'as répondu normal. T'as lu Rayleigh alors que j'avais écrit Rayleigh. C'est ça qui était énorme. Du coup, il te tente pas ce jeu, Rayleigh? Pas trop ta cam ou t'attends d'avoir les finances ou t'as d'autres jeux à faire en attendant? C'était un bon coffre, ça. Ah oui, il est comme ça, lui. Ah ouais, il prend le carton. Il faut pousser, là, je pense. Hein. Non, même pas.
faudra passer par un autre endroit peut-être. Ah bah par là. Oula, oui, ah oui, d'accord. Ah là, je crois que c'est au gyroscope, ouais. Ok. On aura essayé. À voir pour le jeu, j'en ai d'autres en attente, d'accord. Alors j'essaye de pas bouger la manette. Je fais musée Grévin là avec mes mains. Oh là, oh là, oh là, oh là. C'est vraiment sympa. Ça va être casse-bonbon à un moment donné, mais pour l'instant ça va. Eh oui, on a tous des jours en attente. Bah oui, la chanson, hein, la maladie du Day One. J'ai vu que t'avais kiffé, Seb. Sur TikTok. Et si tu poses sur le bureau? Non, mais je suis pas un tricheur. Ouais, possible, hein, qu'en posant sur le bureau, ça le fasse. Alors, le but, c'est surtout de trouver comment équilibrer. T'as adoré, ouais. Bah c'est fait avec une IA. C'est moi qui ai fait les textes, mais sinon c'est l'IA qui a chanté, quoi. C'est énorme. De rééquilibrer avec le joystick comme un naze. Et justement, tu pourras clairement m'apprendre plus de choses avec l'IA. Ouais, si tu veux. Avec Suno, tu veux dire? Après, moi, je débute aussi. Hein. Mais ouais, s'il y a des trucs que tu galères, il n'y a pas de souci. Poser mes mains à plat, voilà. Non, non. Non, ça le fait pas. J'ai essayé de mettre mes pains à plat comme ça en dessous, mais... Allez, c'est parti. De la patience, faut pas essayer d'aller trop vite. Là, il y a pas de raison qu'il penche, je ne bouge pas. C'était presque. Le long texte, il a du mal avec moi. Ouais, il faut faire des phrases courtes. Hein. De toute façon, si tu commences à être trop explicatif dans la chanson, elle devient chiante. Parce que tu vois ce que je veux dire. Il faut faire plein de petites phrases courtes. Ah, j'ai pas penché. J'allais dire on s'arrête, on rééquilibre, mais non. Zen. Il nous reste 20 minutes de stream, ça devrait le faire. Quand il y aura des vraies phases comme ça là, je vais pleurer. J'ai l'impression qu'il me le fait pencher exprès sur la fin parce que je bouge pas. Mais non, ça doit être.
Tu vois la planche qui est un peu pourrie à la fin. C'est moi qui bouge. Ça y est, on y est arrivé. Hop, on nettoie. Là, il nous faut du feu. Ah, ils ont été sympas, ils ont mis trois planches. Hop, je prends mon caillou, je l'enflamme et je lâche. Ok. Un petit cœur, ouais, ça fait pas de mal hein, parce que j'étais à 28. Ok, donc là c'est trop gros. Qu'est-ce qu'on a là? Ok. J'ai rien ici. Ouais, une petite gemme, tranquille. Ok, donc. Révélateur. Hop, on a la flamme. Le petit caillou, on lâche. Ok, on a tout nettoyé, donc ça c'est cool. Et le cabou se dit, j'aime ça. Oui, c'est vrai. Donc la petite planche pour revenir. Ok, on a cleané ce coin. C'est parti, on se barre. Monsieur Carton est toujours là. On va bien finir avant 9h le nettoyage de ce manoir. Comme ça, ça nous fera une petite vidéo complète pour la VOD. Enflammer ce pari. Ah oui, en plus, faut faire tourner. Ok, ici il y avait le lit. Ouais. Ah, ici peut-être. Ok, le petit cœur qui va bien. Et là, je sais pas, on va pas pouvoir enflammer le caillou avec le radiateur, on est d'accord. Alors, ici. Ah voilà, je l'allume, très bien. Non, non, viens là, viens. Ah oui, d'accord. Tourner. Ok, je vais pouvoir aller chercher une gemme ici que j'avais repérée. C'est, oui, c'est tout découpé en plusieurs manoirs, le 2. Ok, tout est clean ici. Par contre, j'ai merdé avec le lit. Alors, si je me barre et que je reviens... Est-ce que le lit est déplié et replié? Non, comment je fais pour le remballer celui-là? Je suis obligé de monter dessus, hop, et de remonter quoi. Tant pis. Bon, ça tombe bien, une petite pièce à cliner là. Hop là, tout le monde en même temps. Est-ce qu'on a tout fait dans cette pièce?
Non, il y a une petite toile ici. Oh yeah. Ok, donc ça c'est fait. Appuie là. Hello. Merde, j'ai encore descendu un étage. Bon, c'est pas grave. Je sais plus comment on remonte. J'ai un peu paumé là. Alors, il y avait cette pièce là. Ah. Ce truc là par l'escalier, ouais, certainement. Un plus petit de passage. Là, je suis à la Bibli. J'ai l'impression qu'il y a un truc ici aussi, là. Il doit y avoir une porte, hein. Il n'y a rien, là. C'est vrai que sur la map, il y a un truc. Non, ok. Du coup, c'était où? C'était par là, vous vous souvenez? Il y avait la chambre. Ah, c'était là. Magnifique. Sauf que c'est... Ouais. Une fausse porte ici. Bah du coup on a tout nettoyé. Hein. Il me semblait qu'il y avait un point d'exclamation là. Ok. Bah du coup où doit-on aller? Là on y est allé. Là il n'y a rien. Tout est clean à cet étage. Toujours pas trouvé comment on va dans l'aquarium. Hein. Derrière le lit tu l'as fait. Derrière le lit. Derrière le lit. De toute façon, la pièce est clean, il n'y a plus de point d'exclamation. Alors, en fait, la pièce... Ah, attends, il y avait ça aussi. La pièce, tu peux pas y accéder. Ici, là, tu veux dire? Il n'y a pas de point d'exclamation sur la map, donc ça veut dire que c'est nettoyé. On peut redescendre, hein. Fait, d'accord, c'est ce que tu voulais me dire. Ah, ici il y a un truc, non? J'avais peut-être pas vu. Est-ce que je l'ai déjà prise cette gemme? Non, il faut d'abord prendre ça. Non, c'est bizarre, ça peut-être déjà pris. Hein, bon, de toute façon, ici c'est le dernier endroit qu'on avait fait. Descendre.
quand c'est en mode papier, là, il faut l'aspirer. Là, ça ne fonctionne pas. Ok. Hello. Je vais voir si j'ai pas une map générale. Hein. Ça sera plus simple. Voilà. Ah, c'est au rez-de-chaussée qu'il a... Non, c'est au rez-de-chaussée qu'on est là. Donc là, apparemment, tout est fait. Ah non, il reste une pièce là. Donc faut que je sorte à droite. Encore à droite. Ok. Voilà, et après qu'est-ce qu'on dit? La Cerbère, ça doit être le final. Ah oui, j'avais pas tout fait ici, c'est bizarre. Possible. Ok, alors ensuite, ici ça me paraît pas mal. Premier étage. Voilà, premier étage c'est bon. Et deuxième étage aussi, non? Par contre, il y a des pièces qu'on n'a pas fait. Si je ressors par là, il se passe quoi? Ah voilà, il y a Bouli qui m'appelle. Hello. Catastrophe. Bravo Luigi, sans ces toiles, le manoir va pouvoir retrouver tout son lustre. Malheureusement, nous avons un problème plus urgent avec le bec benzène. J'ai découvert l'endroit d'où venaient ces araignées. T'expliquerai donc tout dès que tu seras de retour ici. Télépixelisation imminente. Bah voilà, 8h24, on a fait une mission en plus. C'est parfait. On a mis 48 minutes quand même. Mais bon, tranquille, tranquille, slow run. Médaille de bronze, on aurait pu faire pire. Enfin, je crois. Et ouais, il est sorti la semaine dernière, il a même pas une semaine le jeu en fait. Hein. Je disais au début du live qu'il avait pas plus d'une semaine. Mais non, il est sorti jeudi dernier. Hein. Content de te revoir mon garçon, est-ce que tu as capturé de nouveaux fantômes? Il me semble. Nouvelle gemme, parfait. Encore, voilà. Ah voilà. Il faudra qu'il sorte le premier sur Switch pour avoir la trilogie. C'est ce que je me disais, Seb. Mais ça serait pas étonnant qu'ils le fassent. Après, ils sont capables de te le sortir sur le online, mais bon. Je pense pas pour le coup. J'ai isolé un signal paranormal particulièrement puissant émanant des profondeurs du manoir. Je ne sais pas encore de quoi il s'agit, ni pourquoi l'occultographe ne l'a pas détecté plus tôt. Et je sens que ce signal a un lien direct ou indirect avec l'invasion des araignées. Malheureusement, établir l'origine précise du signal n'est pas une mince affaire. Et que j'aurai réussi, et je vais réussir, je t'enverrai sur place pour enquêter. Ok, l'antre de la bête, mais ça sera l'occasion de la prochaine VOD, les amis. Pour ceux qui suivent les VOD sur YouTube, et il y en a beaucoup. Merci d'ailleurs. N'hésitez pas à mettre un petit pouce quand vous voyez cette vidéo sur YouTube. Retour au menu principal, voilà. Bah, du coup, on va finir un peu plus tôt pour une fois. Au lieu de finir plus tard, ça va changer. Merci d'avoir suivi ce live, les amis. Ça fait plaisir. Merci d'avoir discuté avec moi, comme d'habitude.
On se retrouve à midi et demi pour le jeu de Spy Family avec Anya en protagoniste. Voilà, c'est un jeu de Bandai qui est sorti la semaine dernière, donc on verra ça ensemble. D'ici midi et demi, portez-vous bien. Je vais préparer le syndrome Kabuki. Et après, on va voir si on part en raid quelque part. Ce sera la surprise. Je vous fais des bisous, des checks. Et puis, je vous donne rendez-vous à la pause déj, comme d'habitude. Bye bye! La mâchoire est crispée, le regard fixe, les gestes saccadés. Les symptômes sont clairs, le diagnostic sans appel. Ces enfants sont atteints d'un mal très contemporain, la passion des jeux vidéo. Le syndrome de Kabuki a été décrit par Noruo Nikawa en 1981 au Japon. Et il touche une personne sur 32 000. Le nom du syndrome a été donné en référence au Kabu, le fameux Kabuki au Japon. Kabuki au Japon. Quel âge donneriez-vous à ce jeune homme? Le fameux Kabuki. Ce syndrome n'est pas forcément étrange en soi. Étrange en soi. Au Japon. Mon père, lui, reste indifférent, mais ma mère, elle en a un peu ras-le-bol. Parce que ça fait beaucoup de bruit.